Au moment même où l'on fête l'année du singe de feu, une belle initiative de la Chambre des métiers de La Réunion s'est concrétisée le jeudi 25 février à l'Urma de Saint-Gilles-Léo. En effet, une rencontre entre les artisans d'art de La Réunion et une délégation d'artistes et d'experts venant de Chine a donné lieu, de part et d'autre, à un bel échange de savoir-faire. Alors à Saint-Gilles-Léo, vu que c'est un centre des métiers d'art, on reçoit trois artistes de la Fédération chinoise qui viennent avec nous partager leur savoir-faire. On a du découpage de papier, un travail hyper magnifique, du modelage de la farine de riz. Et avec ça, il y a un échange et des rencontres avec les artisans de La Réunion. Alors, au tout départ, on a commencé par la visite de travaux qui s'est fait à La Réunion et notamment sur ce site de la Chambre, les différents travaux. On est aussi passé devant les produits donc réunionnais qui ont été primés lors de différents concours des arts et métiers organisés par la région et la Chambre des métiers. Et on termine non, dans deuxième étape, donc on est passé dans cette salle où il y a justement échange de savoir-faire entre la Chine et la Réunion. Elles ont été éblouies, donc ça nous fait très plaisir, notamment concernant certaines matières qu'on travaille à la Réunion. Je pense notamment à la pierre volcanique, au bois aussi, au bois endémique, à l'écaille de tortue. Je crois que c'est les trois matières en fait pour lesquelles elles sont très sensibles. Et ben, ce qui les a surpris, je crois que c'est nos trois, j'allais dire artisanes, mais là c'est un niveau beaucoup au-dessus. Ce sont des excellentes artisanes, c'est leur dextérité quant à ce qu'elles font, quant à leur savoir-faire, dextérité des doigts, une minutie. Et c'est, même pour moi qui suis artisan, c'est vraiment un travail d'excellence irréprochable qu'elles nous ont démontré aujourd'hui. Et ben, ça a été une continuité. On pense qu'avec la Chine, avec nos artisans notamment, il y a une possibilité d'avoir un échange de savoir-faire, de discussion, et pour pouvoir faire en sorte que nous aussi on puisse progresser et nous les Réunionnais leur apporter des matières à travailler. On ne sait pas encore comment on va faire ça, mais on va trouver certainement une démarche, parce qu'il y a il peut y avoir une réelle complicité entre nos savoir-faire. Namasté, bonjour. Namasté. En chinois on dit ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao.